Tu y crois, toi? À toutes leurs théories? Enfin, l'existence d'un variant, Travolta? Moi, ça me paraît improbable. Une mutation du virus qui donne de la fièvre, mais seulement le samedi soir. C'est du grand n'importe quoi. Seriez-vous... Oui? Complotiste? Hein? Monsieur Locke? Dites-nous la vérité. Eh, hey, mais bien sûr que non. Le variant Travolta, c'était une blague. Quoi? Un trait d'esprit. Oh. Visant à tester votre intelligence. On l'a validé alors? Ce fameux test? Oh la main. C'est une bonne nouvelle. Oh que oui. Je suis pas si bête que ça finalement. Vous êtes de jeunes gens lucides. Refusons le changement de civilisation qu'il nous impose. J'aime faire caca, la porte ouverte. Je suis ravi de l'apprendre. Classe. C'est moins marrant quand il n'y a plus de papier. Toilette. Bref, dans la société qu'ils veulent créer, il vous faudra un QR code pour lâcher une crotte au WC. Voulez-vous de ça? Vous en faites pas, Monsieur Locke. On a compris le message. Au fait, on va partir maintenant. Bradley meurt d'envie de faire bronzette. Oh, mais bien sûr, allez-y. Vous êtes libre. Il a oublié de vous parler du système de... Sécurité. Hugo, ta gueule, va bouffer. Si vous le voyez, faudra courir, vite, hein. Ouais, d'accord. Moi, avec mon gros cul, que je peux pas. Hugo, veux-tu bien cesser de les effrayer? On risque vraiment pour nos fesses, en traversant la jungle? Vous savez, nul n'échappe à son destin. Vous verrez bien. Vous avez vraiment l'art de nous rassurer. Oui. Et voilà. Alors, pas mal. Attention tout le monde, shoot du Mauricien en approche. Oh bordel, c'est abusé d'être aussi fort. Tu veux voir quelqu'un qui sait vraiment jouer au basket? Matza. Et hop. Wouh. Airball. Hein? Mais non, c'est pas vrai. Wow. Arrête de frimer. Check ça. T'es nul. Wow. Ça les ménage. Quoi? Mais comment j'ai pu louper ça? Ouais. Wesh maman, les Coopers ils sont trop nazes. C'est des bambis au basket. Les enfants, ne vous moquez pas de moi. À la une, à la deux, à la trois. Joli. La honte. Bravo, Monsieur Cooper. À moi de jouer maintenant. Ah, bah super, voilà. Super, bien joué, le Renoir. Ah, merci. Un jour, il faudra que tu me montres, d'accord? Papa, regarde. Yes, un 3 points. Belle technique, chérie. Allez, le petit dernier pour la route. Si je le mets, Macron repasse pas. Super, bon débarras. Sale enfoiré. On est déjà fatigué. Allez, un petit effort. Ça te fera mincir. Ah bah ouais, carrément.
de catégorie 1. Rappelle-moi de changer ton huile de graissage. Hein? C'était quoi ce truc-là? Confirmation de l'avertissement précédent. Attaque imminente. Hein? C'est quoi, Hector? Mais ah! Alerte, aucune information dans la base de données de Hector. Niveau de menace maximal. Je comprends pas. Je sais pas c'est quoi ce truc. On n'aurait jamais dû tomber devant ça. Ah. En plus, c'est moche. Locke a dû nous donner un mauvais itinéraire. Oh non. Monsieur Propre nous a dit de suivre les bananiers à la sortie de la canopée, puis d'aller à gauche, en direction du Grand Kunana. Dommage. Je sais pas à quoi ça ressemble, Kunana Matata. Bon, c'est pas tout, mais moi je vais faire une pause pipi. Ah, j'ai la pisse en moi. Hein? Je suis fatigué, moi. Become, 'cause you brought the flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself. And we both know all the truth I could tell. I'll just say this is, I wish you farewell. I hope you're somewhere praying, praying. I hope your soul is changing. Hope you find your peace, falling on your knees, praying. Venez manger, les enfants. Ça fait du bien. Théo. Ouais. Bradley et Eric t'ont dit au sujet de Oasis Springs? C'est où ça? C'est une belle opportunité. Elena... Fallait que ça sorte. Bradley va cartonner, c'est sûr. Le maire est d'accord pour privatiser tout un stade. Bradley va pouvoir donner son premier concert officiel. Waouh, cousine. Félicitations. Tu vas devenir une star dans un troupeau, mais... Franchement, autant rester à San Machino. Ne l'écoute pas, chérie, d'accord? Tu crois? Tu réussiras partout où tu iras. Ouais. Et puis, c'est la marque de fabrique des Cooper, pas vrai? Ah, mais pourquoi elle est entrée dans ce fichu de trou, ce pauvre... Eh ben, c'est vachement profond, Sympa, la déco. Y'a quelqu'un? Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça en fait, des téléviseurs. Hein? En tout cas, la musique est très sympa. Ouais, ben, c'est bien la seule chose qui a l'air sympa dans le coin. Y a plus de musique? Oh, pour une fois qu'on s'amusait. Bon, ben, il nous reste plus qu'à regarder la télé. Tu crois vraiment que ces vieux machins fonctionnent encore? Ah, et puis merde, on a bien mérité de s'asseoir après tout. Hein? Tu voulais voir si ça fonctionne toujours? Bonjour.
trop cool. Je suis le docteur Mark Wickman. Et ceci est le film de présentation pour la station 5 du projet Dharma. La station 5, surnommée la Perle, est un poste d'observation où les activités des participants aux différents pôles de notre projet peuvent être suivies et continues. Non seulement pour la postérité, mais pour la bonne réussite du projet dans sa globalité. Comme Karen de Groot l'a elle-même écrit, seule l'observation minutieuse peut conduire à la conscience véritable. Vous effectuerez au sein de la Perle une période de travail de 3 semaines, durant laquelle vous et votre coéquipier serez amenés à observer le déroulement d'une expérience psychologique. Votre tâche sera d'observer les membres d'une équipe d'une autre station de ligne. Ces membres ne savent pas qu'ils sont surveillés, ni qu'ils font l'objet d'une expérience. Vous effectuerez des rotations de 8 heures, rotations pendant lesquelles vous et votre coéquipier consignerez ce que vous observerez dans les cahiers qui vous sont fournis. Quelle est la véritable nature de l'expérience? Quel but les membres de l'équipe croient-ils poursuivre alors qu'ils luttent pour accomplir leur tâche? En tant qu'observateur, vous n'avez pas à le savoir. Ne retenez qu'une chose, les sujets de l'expérience sont persuadés d'accomplir un travail de la plus haute importance. Rappelez-vous, le moindre événement, même s'il vous semble peu important, voire insignifiant, doit être consigné. À chaque fois que vous complétez un cahier, qu'il est rempli du fruit de vos fines observations, roulez-le, pas de souci, dans un des conteneurs fournis. Ensuite, il suffit de placer le conteneur à l'intérieur du tube et... Hop. Vos notes nous parviendront directement. À la fin de vos 8 heures, veuillez rejoindre le ferry Pala qui vous ramènera au baraquement où vous pourrez vous reposer. De la part de Karen et Gérald de Groot, d'Alvar Anso et de tous les collaborateurs du projet Dharma, merci. Namaste. Et bonne chance. Cette fille, Illyria, tu as vraiment couché avec elle? Sache pour ta gouverne que j'ai pas couché avec la meuf rose, mais avec Amandine, ouais. Donc pas le truc tout moche, mais la version humaine. Mais j'y suis pour rien. Quoi? Il faut me croire. De toute façon, t'étais jamais là d'abord. Mais je rêve. C'est vrai en plus. Pardon? Je te promets, c'est arrivé qu'une fois... Mais tu te fous de moi? Tu pardonnes? Comment t'as pu me faire ça? T'es allé tremper ton âme dans l'oignon de cette petite conne. Ouais. C'est quoi encore ces conneries? Tu veux que je te dise? T'es qu'un gros gamin qui fuit sans arrêt ses responsabilités. J'ai piqué ça à ton pote, docteur Manhattan. C'est ça, laisse tomber. Aïe, je regrette ce qui s'est passé. Je te jure. Aïe, ça pique. Bien fait pour ta gueule. Sawyer? C'est lui, j'en suis sûr. Sawyer, ici mon chien, viens. Il est tout prêt. Génial. Sawyer. Sawyer. Ouais. Mais attends, tu vas où? Sawyer. Elle en fait toujours qu'à sa tête. Sawyer, tu es là. Montre-toi. C'est abusé, non, papa, ce qu'il fait, Théo. On dirait qu'il est jamais d'accord avec ce que je dis. Ah bon? Tu comptes faire ça? Laisse tomber, t'y arriveras jamais. T'es qu'une grosse merde. Ça sert à rien d'avoir des ambitions quand on est nul. Je sais pas pour qui se prend ce petit emmerdeur, mais si ça continue, je vais demander à Eric de lui mettre une grosse raclée. Papa, t'en penses quoi, toi? Tu crois qu'on fait fausse route? En allant à Oasis Springs? Là-bas, Eric est sûr d'avoir son poste de shérif ou je sais pas quoi. Tu es une Cooper? Ben ouais, je suis ta fille. Ça change quoi? Et alors? Tu es un cadeau. Béni du ciel. C'est clair. Tu es la chose la plus précieuse que je n'ai jamais eue. Alors fonce,
Aie pas peur de l'échec. Fonce. Ouais. Merci, papa. Tu sais, je serai toujours fier de toi, ma chérie. Quant à cette vermine de Théo, il sera à jamais privé de saucisses. Ouais. Toi, n'avais jamais vu des comme ça, hein? Bah... Ça doit te faire bizarre de fréquenter une richou. Mm-hmm. Tu sais, ma cousine, elle va finir par te larguer. Au bout d'un moment, tu vas plus être assez intéressant pour elle. Bah écoute, pour le moment, bah ça va. Ça va même carrément au top. On joue au basket ensemble, on mange des hot dogs, et on fait plein de galipettes. Et puis tu veux que je te dise, Bradley, elle est amoureuse de moi. Je l'ai secouru quand Weinstein voulait abuser d'elle. Et puis je me suis battu à Manu contre le grand Rousseff. C'était violent, hein. J'en ai pris plein la tronche. Ouais. Écoute, gros, change pas de sujet. Bradley, elle est pas faite pour toi. Et puis t'as vu, t'as des kiennes Lol. Ce que je t'ai dit, ça reste entre nous, d'accord? Allez, ciao. Et bonne chance à Oasis Springs. Mais c'est quoi ça? Oh putain, ça sent pas bon. C'est fini. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Vous n'auriez pas vu une tombe, par hasard ?